OK. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier d'introduction à l'intelligence artificielle. Je m'appelle Fabrice Charbonneau. Je vais muter le stream. Bon, je fais partie de PolyAI, qui est une branche de PolyHacks. Puis, dans le fond, je vais simplement vous donner un atelier pour vraiment vous introduire aux concepts généraux. Je vois aussi des Diamond Hands dans le chat YouTube. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez juste promoter le stock de GameStop, pas de problème, continuez à spammer dans le chat. Puis s'il y a des questions pertinentes, je vais y répondre, évidemment. Let's go. By the way, je nage un peu avec, avec GameStop. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, le plan d'atelier aujourd'hui, on va parler un petit peu des grands concepts généraux. Je vais vous présenter un petit peu de concepts de base sur les maths. Ensuite, je vais vous montrer une visualisation vraiment intéressante par Google. Je pense que ça va vous permettre de vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans un neural net. Ensuite, je vais faire une démonstration avec TensorFlow, avec du code en Python. Puis, c'est ça. Vous pourrez vous inspirer de ça pour si jamais vous voulez utiliser TensorFlow pour vos propres projets ou vos propres idées. Finalement, je vais vous donner des liens vers des ressources supplémentaires. Puis finalement, une paire de questions. Donc, voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Je peux m'arrêter et lire le chat YouTube que je viens de décider. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, un petit peu de théorie, les grands concepts généraux. Donc, l'intelligence artificielle. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, ça regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a l'apprentissage machine, les réseaux de neurones, comme vous le savez bien. Mais on peut aussi penser à des robots intelligents, à des joueurs dans des jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordi, à des trucs de pathfinding, A-Star, Dijkstra même, ça pourrait, si vous avez fait les petits cours d'algorithme à Poly. Tout ça, ça pourrait être considéré un peu comme de l'AI aussi. Puis même, tu sais, si on parle de joueurs dans des jeux vidéo qui sont contrôlés par des ordis, c'est peut-être juste un gros if-else, leur truc comment ils ont programmé leur joueur. Donc, ça pourrait quand même rentrer dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment large. Par contre, ce qui intéresse vraiment plus l'industrie en ce moment, c'est le machine learning et surtout le deep learning avec les réseaux de neurones. Donc, le machine learning, ça comprend toutes sortes d'algorithmes. Donc, on a la régression linéaire et logistique, des decision trees, random forest, tous ces algorithmes-là, ça fait partie du machine learning. Le deep learning, on parle de réseaux de neurones d'au moins deux couches, donc avec des couches cachées. C'est là qu'on dit que c'est de l'apprentissage profond. C'est profond parce que ton neural net, il y a au moins deux couches. Puis ensuite, c'est ça. Donc, des exemples de ça, donc juste le neural net vanille avec pas grand-chose d'intéressant, mais sinon, on a aussi la récurrence, donc les neural nets, recurrent neural networks, les convolution neural networks, BERT, donc il y a plein d'exemples d'architectures différentes de neural networks. Donc, avant de parler de tout ça, on va vraiment commencer par la base. Donc, tout d'abord, quand on parle de régression en machine learning, c'est qu'on essaie de prédire un nombre. Donc, par exemple, essayer de déterminer la quantité d'argent que vont perdre les hedge funds. La classification, on essaie plutôt de prédire une catégorie. Donc, par exemple, essayer de classifier si quelqu'un, c'est un paper hands ou si c'est un diamond hands. Si vous ne savez pas de quoi je parle, on peut aussi juste penser à essayer de classifier si c'est un chat ou un chien avec différentes images. Donc, il n'y a pas vraiment de in-between dans une classification. Tandis que dans une régression, là, c'est vraiment un nombre qu'on essaie de déterminer. Donc, c'est vraiment plus continu. Tandis que la classification, c'est plus discret, on va dire. Ensuite, on a l'apprentissage supervisé versus l'apprentissage non supervisé. Donc, par exemple, qu'on a une base de données sur les shots de Kobe Bryant, où est-ce qu'on aurait sa position en X et Y sur le terrain, à quelle période il jouait. Puis, est-ce qu'il a réussi à faire ce shot à partir de cette position? Donc, l'apprentissage supervisé, c'est qu'on s'intéresse surtout
au shot main. Donc, par exemple, on essaie vraiment de prédire est-ce qu'il a réussi son shot ou pas à partir de ça. Donc, on a vraiment une séparation entre des features et un label qu'on essaie de prédire à partir des features. Tandis que l'apprentissage non supervisé, ce serait que peut-être qu'on n'aurait pas ces réponses-là ou on fait juste complètement ignorer la colonne de ShotMade. Puis dans le fond, ici, j'ai un exemple d'apprentissage non supervisé, c'est le clustering. Donc, juste à partir des données, on peut essayer de former des groupes et essayer de voir, OK, est-ce qu'il y a des groupes qui semblent ressortir de mes données? Donc ça, ce serait de l'apprentissage non supervisé. Tandis que l'apprentissage supervisé, bien, ce serait vraiment, OK, par exemple, on a un réseau de neurones qui utilise ces données. Est-ce qu'il est capable de bien prédire si le shot a été bien fait ou pas par Kobe? Donc, ça, c'était pour l'apprentissage supervisé versus non supervisé. On a fini avec l'introduction à certains concepts vraiment de base. Donc, maintenant, je vais m'intéresser un peu plus en profondeur dans les maths. Donc, ici, on a quelque chose de vraiment classique. Ça ne devrait pas vous faire trop peur à date. Donc, c'est simplement une régression linéaire. Donc, on a plein de données ici. Puis, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est quoi la tendance que mes données ont. Donc, par exemple, ici, on pourrait juste simplement tracer une droite. Ça pourrait être une fonction plus compliquée qu'une droite aussi. Mais donc, en restant vraiment sur la base avec la régression linéaire, donc, ça ici, ce serait, si je vous demandais, est-ce que ça, c'est de la... Ben, vous avez la réponse ici, régression ou de la classification. Mais ici, on essaierait de prédire un nombre. Donc, ce serait nécessairement une régression. c'est marqué ici. Mais c'est ça. Donc, ici, ce qu'on s'intéresse, en fait, c'est les paramètres A et B. Donc, on essaie de dire, OK, ici, mon slope A, c'est peut-être environ de 0,3, 0,4, peut-être un peu plus. En tout cas, puis B, ici, ce serait 5. Donc, ce serait essayer d'optimiser ces paramètres-là. C'est des paramètres qu'on veut vraiment essayer de trouver. Puis ça va nous permettre d'avoir un modèle qui est cette droite-là, qui va nous permettre ensuite d'essayer de prédire si, par exemple, on aurait un nouveau point qu'on sait qui est à 50. Là, par exemple, ici, c'est les milliers de dollars que les hedge funds perdent. Puis ici, c'est le facteur par lequel le stock de GME a explosé. Donc là, on pourrait dire, OK, si maintenant on sait que le facteur que GME a explosé, c'est de exactement fois 50, ben on peut essayer de prédire, OK, donc les hedge funds auraient à peu près perdu 13 milliards. Là, j'invente des nombres comme ça, mais ce serait un modèle qui nous permettrait de faire des prédictions comme ça. Donc, dans un neural network, on a vraiment une grande quantité de paramètres à optimiser. Parce que juste avec un petit neural network comme ça, on voit que chaque lien, ici, c'est un paramètre à optimiser. Puis d'ailleurs, si on veut faire, ici, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ce 1-là, puis c'est quoi ces affaires-là? Donc ça, c'est les données qu'on entre en entrée. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple des shots de Kobe Bryant. Donc par exemple, que ça ici, c'est la position en X, la position en Y, puis à quelle période il est en train de jouer. Puis ici, pourquoi est-ce qu'il y a des 1 ici? Bien, en fait, les 1 qu'il y a là, c'est comme le B dans la régression linéaire. Donc, c'est juste pour permettre au modèle de pouvoir rajouter un poids de plus. Puis ça revient vraiment au principe de régression linéaire. Donc, on pourrait considérer que chaque rond vert ici, qui est appelé une neurone, chaque neurone, c'est à peu près comme une régression linéaire, finalement, qu'on fait sur les entrées qui rentrent dans cette neurone. Okay. Puis, en fait, c'est un petit peu plus compliqué qu'une régression linéaire. Je ne l'ai pas écrit sur les slides, mais on essaie toujours de garder les nombres ici qui vont rentrer dans les cellules entre 0 et 1. Donc, il y a plusieurs fonctions qui permettent de faire ça. Dans un neural network, ça s'appelle la fonction d'activation. Donc, on aurait, par exemple, des fonctions comme sigmoïde, tangente, hyperbolique, qui permettent de garder le nombre entre 0 et 1. Des fois, on veut juste qu'il soit au-dessus de 0. Donc, il y a aussi d'autres fonctions d'activation comme relu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails.
si vous voulez en savoir plus, à la fin, je vais vous donner des ressources supplémentaires sur lesquelles vous pourrez vraiment aller fouiller là-dessus. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'on peut, d'hyper paramètres qu'on peut choisir. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu décider, ah ben, je veux plus de cellules, plus de neurones, ou je veux une architecture complètement différente de ça. J'aimerais quelque chose qui force certains comportements dans mon neural network. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, ça ici, c'est vraiment, vraiment la base. Maintenant qu'on sait qu'on a plein de paramètres comme ça qu'on peut optimiser, qui va nous permettre à la fin d'avoir une sortie qui va être la prédiction de notre modèle. Donc, par exemple, on essaie de prédire les shots de Kobe Bryant. Mais ici, à la sortie, on va voir si c'est proche de zéro, ça veut dire que notre modèle il a prédit que Kobe Bryant a foiré son shot. Si c'est proche de 1, ça veut dire que le modèle prédit que Kobe Bryant aurait réussi son shot en fonction des entrées ici qu'on lui passe. Donc, il serait, genre, par exemple, je vous rappelle, par exemple, la position en X et en Y, puis à quelle période il est en train de jouer. Aussi, on appelle ça aussi les features. Donc là, je me répète un petit peu. Mais bon. Donc, à la sortie ici, c'est ça. Ça va être soit un 1, soit un 0. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver toute la bonne valeur pour tous ces paramètres-là? Donc, c'est pas mal plus compliqué que juste la régression linéaire ici, où est-ce qu'on en a juste deux. D'ailleurs, si vous avez fait le cours de ProbStats à Poly, vous savez que juste avec une régression linéaire comme ça, il y a un petit trick qu'on peut faire avec l'algèbre linéaire. Donc, il simplifie vraiment, vraiment les calculs, puis c'est vraiment facile de trouver ça à partir des données directement. Mais quand on a quelque chose comme ça, c'est quand même vraiment plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, pour que notre modèle puisse apprendre avec les données? Bien, une solution qui est comme vraiment la base dans ce domaine-là, c'est la descente de gradient. Donc, ça, c'est quand même un gros morceau. Je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Donc, en bas ici, sur cet axe-là, on aurait la valeur d'un poids qu'on espère optimiser. Puis, l'autre axe, ce serait le coût, aussi appelé loss ou perte. C'est quoi ça, le coût? Bien, c'est proportionnel à la quantité d'erreurs faites par le modèle. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Kobe Bryant, quand le modèle il prédit que Kobe a foiré son shot alors qu'il l'a eu, bien, ça, c'est considéré comme une erreur qui est faite par le modèle. Donc, si notre modèle il est vraiment en poche et il se trompe tout le temps, on va avoir un grand coût. Mais s'il est bon, le coût sera plus petit. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'on essaye des nouveaux poids, on calcule le gradient puis on dit, OK, dans quelle direction est-ce que je devrais modifier mon paramètre? Comme ici, mettons qu'on en a juste un. C'est quoi la direction dans laquelle j'aimerais que ce paramètre-là doive aller? Est-ce que je dois le diminuer ou est-ce que je dois l'augmenter pour minimiser mon coût? Okay, donc ça, c'est le principe vraiment de gradient descent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette direction-là? Bien, en fait, si vous avez fait le cours, je pense, calcul 1, vous savez qu'on peut faire la dérivée. Donc, je vais vous épargner les détails mathématiques. Comme j'ai dit tantôt, vous irez regarder les ressources que je vais vous donner à la fin. Puis, vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent l'expliquer vraiment mieux que moi, avec des meilleures visualisations. Donc, je vais vous diriger là-dessus. Mais donc, en gros, comme par exemple les fonctions que je parlais tantôt, les fonctions d'activation, ce serait là-dessus qu'on ferait aussi la dérivée. Donc, par exemple, sigmoïde. Donc, on peut faire la dérivée de ça, puis ensuite déterminer à partir de qu'est-ce que notre modèle nous retourne, dans quelle direction on doit changer nos paramètres pour minimiser notre coût. Donc, finalement, c'est un petit peu juste comme de l'essai-erreur. C'est juste qu'on essaie de la rendre vraiment le plus efficace possible, notre essai-erreur, en calculant un gradient, puis en allant dans la meilleure direction. Ça va faire peur aux étudiants génie HEC. Ah, oh, je ne veux pas faire peur. Je ne veux pas faire peur. All right. Donc, maintenant,
on va aller voir une visualisation, vous allez voir que ça va vraiment, peut-être, vous allez vraiment mieux comprendre. Okay, donc ici, on a un dataset qui ressemble à ça. Donc par exemple, ici en bleu, c'est tous ceux qui ont, c'est les Diamond Hands, c'est ceux qui sont restés solidaires au centre, ensemble. Et donc, par exemple, ici en jaune, ce serait les géants, n'importe quoi, mais c'est un dataset quelconque avec des 0 ou des 1 dedans. Okay, donc, par exemple, en bleu, ça pourrait être 1, puis en orange, ça pourrait être 0. Okay. Et là, on va essayer de faire un modèle avec un neural network qui va essayer de séparer nos deux sortes de données. Donc, par exemple, que je mets une seule couche de neurones avec une seule neurone à l'intérieur. I feel like I've seen this before. Ah, c'est William. Ah, oui. Charlotte à William. OK. Donc là, ici, ben, on voit qu'un neurone, c'est pas assez. Il est vraiment pas capable de faire quoi que ce soit avec seulement un neurone. Si on rajoute un autre neurone de plus, ah, c'est quand même pas mal mieux. Puis ce qui est cool ici, c'est qu'on peut voir vraiment exactement c'est quoi que les neurones font. Donc, juste en ajoutant un neurone de plus, on voit qu'il est capable de faire une meilleure distinction. Donc, c'est vraiment pas parfait, mais c'est quand même pas si pire. OK, j'arrête ça. Maintenant, j'en rajoute plein. Comme ça. Je suis pas mal sûr que ça va marcher. Ah! Donc, en rajoutant assez de neurones, en ayant juste assez de séparation linéaire, on est capable d'avoir, ici dans le fond, c'est des combinaisons de séparation linéaire qui étaient faites au début. Donc ici, on peut même voir les liens entre, donc ici, il fait une régression linéaire sur les autres régressions linéaires. Comment on crée une neurone? Ben, ici, c'est facile, c'est juste en cliquant sur des boutons. Mais je vais vous montrer un exemple plus concret avec TensorFlow. Puis vous allez voir que c'est vraiment facile. C'est juste un chiffre que tu changes dans l'API. Mais sinon, si je peux essayer de répondre un peu plus concrètement comment rajouter une neurone, ben, dans le fond, c'est que si je rajoute un neurone, si j'en rajoute un ici, ben, il va simplement avoir des nouveaux poids qui vont être basés sur les données de base, ben, les features qu'on lui passe en entrée. Puis ensuite, ben, toutes les autres, ils vont pouvoir prendre ce neurone-là dans leurs propres entrées. Donc, ils vont pouvoir prendre la sortie de ce neurone-là dans leurs propres entrées. Puis, ça va peut-être potentiellement améliorer les résultats. Mais sinon, je vais donner des liens vers des ressources qui vont comme des vidéos YouTube qui sont super, super bien faites. Puis si vous voulez vraiment comprendre bien le fonctionnement, vous allez checker ça. C'est vraiment fantastique. Ouais, j'ai hâte de vous donner juste des ressources. En tout cas. OK. Donc, c'est ça pour la visualisation. Donc, je pense que ça peut quand même aider à comprendre ce dont je parlais avec les régressions linéaires et ces choses-là. Donc, en fait, c'est vraiment juste des combinaisons ici dans la couche plus profonde dans notre neural net. C'est l'ajout d'un graphique gradient. En fait, c'est l'ajout d'une régression linéaire sur plein de... ou d'une régression, tout court, sur plein d'entrées. Donc, si on rajoute un neurone ici, ces entrées, ça va être les features. Si on rajoute un neurone ici, ces entrées, ça va être les sorties de la couche d'avant. Ça va être les... C'est ça. Donc, en fait, c'est juste comme une combinaison de régressions linéaires ensemble. Puis, ça va nous permettre d'avoir la forme exacte qu'on veut pour pouvoir bien séparer notre dataset. Donc, ça va nous permettre d'avoir des bonnes prédictions. Donc, ici, à la sortie, si on met un nouveau point ici qui serait dans le bleu, ben le neural net pourra le classifier comme étant bleu, tandis que si on a un nouveau point qui est comme ici, le neural net va pouvoir le classifier comme étant en jaune. Donc,
ça va pouvoir bien séparer les données. Donc, c'était ça pour la visualisation. Maintenant, je vais vous montrer une démonstration avec TensorFlow. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le code. Ah ben, je l'ai déjà codé ici. Okay. Donc, au début, ici, je vais juste loader des librairies, genre Google Drive, pour pouvoir downloader les données sur Kobe Bryant. Pandas, qui est une librairie Python, qui permet de pouvoir facilement jouer avec les données. Zoom, please. Ouais, je vais zoomer. Oui. C'est-tu mieux? Je pense que ça va être mieux comme ça. Ouais, c'est chill. OK. Donc, ensuite, bon, j'importe les données de mon drive. Okay, c'est des données sur Kobe Bryant. Je vais vous montrer ici de quoi ça a l'air. Si je choisis juste un sous-ensemble de colonnes pour que ce soit vraiment plus simple. Donc, notre dataset, il ressemble à ça. Donc, ici, la colonne de ShotMade, ce serait les labels. Donc, c'est ça qu'on essaierait de prédire. Puis le reste ici, le temps remaining, le type de shot, la période, la distance à laquelle il y a du panier, ça, ce serait juste les features. Ben, juste, c'est les features. Donc, c'est là-dessus que notre modèle va se baser pour pouvoir prédire si Kobe Bryant a réussi son shot ou pas. Donc, c'est ça pour les données. Maintenant, je vais un peu nettoyer les données. Parce que, en fait, si je passe juste un string comme ça, jump shot au modèle, il ne va pas vraiment comprendre que c'est une feature. Il va peut-être le comprendre un peu, mais ce n'est pas idéal. Puis, ça prend aussi bien plus de place. Si, emmagasiner dans la mémoire un string, on pourrait vraiment simplifier ça. Aussi, les distances comme ça, peut-être que ça va de 0 à genre 50, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de passer 50? On pourrait passer un nombre entre 0 et 1 dès le départ, et ça, ça va pouvoir aider le modèle. Donc, c'est ça que je fais ici. Aussi, j'enlève les colonnes qui ont des NaN comme ça, parce que clairement, le modèle, il s'attend ici à un 0 ou un 1. Fait que s'il va un NaN, il va capoter, ça va pas marcher, ça va planter. Donc, ici, je simplifie vraiment. Je l'ajuste pour que le modèle il puisse vraiment bien comprendre. Puis, ouais. Donc, ça ressemble maintenant à ça. Donc, vous voyez les types de shots maintenant. On a une colonne pour chaque type de shot. Et c'est soit un 0, soit un 1 à l'intérieur. Donc, ça s'appelle one hot. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai one hot la colonne du type de shot. Donc, c'est juste le principe. Même chose pour la période. Si j'ai décidé de faire ça, ça me tentait. C'est un choix qui est peut-être douteux. Mais bon. Donc, ici, c'est ça. Donc, chaque colonne, c'est un type de shot différent. C'est soit des 0 ou des 1. Bon, je l'ai déjà dit. Mais bref. C'est ça. Puis ici, on voit aussi que la distance puis le temps remaining, je l'ai mis entre 0 et 1. Donc, j'ai fait un min-max scaling. Rien de trop weird à date. Donc, c'est ça. C'est ça pour le cleaning des données. Aussi, j'aimerais vraiment vous donner tous les liens à la fin. Peut-être, en tout cas, je vais parler à PolyHacks. Peut-être qu'on pourra mettre ça dans la description. Mais bref, vous aurez accès à cette démo, puis vous aurez accès aux liens vers toutes les choses. Donc, maintenant, je vais compter ici. Je me suis un peu un autre affaire par rapport. Donc ici, maintenant, je suis rendu à l'étape de créer plusieurs ensembles. Donc, j'ai séparé 70% de mes données dans un ensemble d'entraînement, 15% dans un ensemble de validation et 15% dans un ensemble de tests. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait de machine learning comme ça, pourquoi est-ce qu'on sépare en train, validation et test? Ben, en fait, le dataset de train, il va être vraiment utilisé, ça va être vraiment là-dessus. Oh mon Dieu. Ça va être vraiment là-dessus que le modèle va apprendre. Donc, ça va être ces données-là qui va pouvoir optimiser ses paramètres avec, comme on a vu avec la descente de gradient. Donc, ça va être à partir de ça qu'il va calculer son loss. Puis là, ensuite, il va essayer de voir, OK, dans quelle direction je vais envoyer un paramètre.
Donc, c'est sur ce dataset-là qui fait tout ça. Ensuite, la validation, ben, c'est que ça, c'est un petit peu plus deep. C'est que le modèle, on va faire plusieurs, ce qu'on appelle epochs. Donc, une epoch, c'est de passer à travers l'ensemble d'entraînement une fois. Puis ensuite, une fois qu'on va être passé à travers l'ensemble d'entraînement, on va comme prendre la température du modèle. On va maintenant le tester, on va dire, OK, c'est quoi sa performance maintenant qu'on a passé à travers tout l'ensemble d'entraînement une fois. Puis entre chaque époque, on réutilise ce même dataset pour faire la même chose, pour prendre la température du modèle. Puis à la toute fin, on utilise l'ensemble de tests. Donc, il n'y aura jamais vu ces données-là. Puis ça va nous permettre d'avoir la performance comme vraiment plus exacte du modèle. Donc, maintenant, ici, ouais, ça. Donc, je fais tout ça. Donc, maintenant, ici, j'ai 15 features. Donc là, on est maintenant rendu à créer un modèle, créer un neural network avec TensorFlow. Donc, ici, c'est ça. Là, ici, j'ai mis la description. On appelle ça des hyperparamètres. Donc, c'est des paramètres de notre modèle qu'on doit décider par nous-mêmes au meilleur de notre connaissance. Donc, c'est ici qu'on va déterminer, par exemple, le nombre de layers qu'on veut, comme dans la démo ici. Puis, c'est quoi la fonction d'activation qu'on veut, etc. Donc, ici, je crée le modèle. Ensuite, ici, donc, j'utilise la même chose que je vous ai parlé tantôt, stochastic gradient descent. En fait, ça fait un peu peur, le mot stochastique, mais en fait, stochastique, tout ce que ça veut dire, je ne voulais pas le dire, stochastique, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est random, puis dans le sens qu'au début, dans le dataset, on va séparer le dataset d'entraînement en plusieurs mini-datasets qu'on va toujours refaire à chaque fois. En tout cas, c'est pas clair. Mais bon, c'est basically juste gradient descent, cette affaire-là. Donc, ça, c'est l'optimizer. Donc, c'est optimizer pour optimiser nos paramètres. Ensuite, le loss, une autre affaire qui sonne vraiment compliquée, qui fait vraiment peur, mais en fait, c'est juste la fonction de la perte de coût. Donc, si on remonte ici, c'est ça ici, le coût. Donc, on va voir une fonction ici, puis pour calculer le gradient, on a besoin de la fonction exacte qu'on calcule avec la dérivée. Et donc, c'est ça ici. Donc, c'est basically binary cross entropy, c'est juste binary parce que j'essaie de prédire des 0 ou des 1. Il y a juste deux catégories. Puis cross entropy, ben, c'est tout simplement la fonction de perte qui correspond à sigmoïde, qui est la dernière neurone du modèle. Bon, ça fait un peu peur, mais si vous regardez des vidéos, ça va sûrement aider, ça va sûrement vous guider plus que moi. Donc, voilà, donc je vais rouler ça. Donc, je vais compiler mon modèle. Et maintenant, je vais entraîner le modèle. Donc, je vais faire sur 10 epochs. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Ben, 16. Donc, on va faire 10 epochs. Donc, on va passer à travers... ça veut dire ça, qu'on va passer à travers l'ensemble d'entraînement au complet 10 fois. Puis batch size, c'est tout simplement une façon de faire pour que l'entraînement, ça aille plus vite. Donc, si on fait un batch size de 1, en fait, il va optimiser ses paramètres à chaque nouvelle entrée qu'il y a dans le dataset. Donc, par exemple, il essaie de prédire un shot de Kobe Bryant, puis là, ah, j'update mes paramètres. Ensuite, il essaie de prédire le prochain. Ah, j'update mes paramètres si je l'ai eu ou pas. Donc, s'il l'a eu, les paramètres vont rester un peu plus proches de ce qu'ils sont en ce moment. Mais si le modèle a foiré et qu'il a mal prédit, ben là, il va essayer de rajuster ses paramètres avec la descente de la temps. On peut créer un modèle d'IA avec des données et une plateforme de prod Python? Oui. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, j'utilise la librairie Python qui s'appelle TensorFlow. Puis, j'ai un dataset
que j'ai juste pris d'une compétition en ligne sur les shots de Kobe Bryant. Fait que ça m'a donné plein de données sur les shots de Kobe Bryant. Puis là, j'essaie de prédire si Kobe Bryant a réussi son shot avec les features. Puis donc, c'est ça. Donc, vous pourriez ici changer, dans le fond, le dataset, puis essayer de prédire une nouvelle chose à partir de vos propres données en utilisant un neural network similaire avec la même librairie Python. Et vous pourriez essayer de voir est-ce que mon modèle est capable de bien prédire à partir de mes données ce que je veux prédire. Donc ici, je vais continuer. Donc ici, batch size, c'est ça que j'expliquais tantôt. Donc, une batch size de 1, c'est que pour chaque donnée, je vais essayer d'optimiser mes paramètres. Mais si, par exemple, ici, je mets 8, ça veut dire que je vais essayer de prédire d'une shot les 8 prochains shots qu'il y a dans mon dataset, puis je vais essayer d'optimiser mes paramètres. Donc, en fait, ça va plus vite en augmentant le batch size parce que tu en prédis, genre, mettons, 8 de suite sans rien optimiser. Puis après les 8, là, tu réoptimises en faisant, genre, par exemple, la moyenne de ton coût que tu as eu en essayant de prédire les 8. Donc, il faut faire attention avec le batch size. Il ne faut pas le mettre trop grand. Il ne faut pas le mettre trop petit non plus. Mais trop petit, ça devrait marcher. C'est juste que ça va être peut-être potentiellement vraiment plus long, dépendamment de à quel point vous en avez des données. Donc, ici, je mets un batch size de 8. Mais c'est vraiment laissé à votre discrétion, à la discrétion de la personne qui veut faire l'apprentissage. Après l'atelier, j'imagine que je peux écrire son CV que je suis développeur en machine learning. Je vais peut-être pas faire de commentaires là-dessus. Mais s'il pose des questions après et tu sais pas quoi répondre, ça se peut que ça tourne mal. Mais si tu connais les réponses, tant mieux. All right. Donc ici aussi, ces lignes-là, c'est juste du overhead parce que je veux, à la fin, j'ai décidé d'utiliser TensorBoard parce que je trouve que le UI est cool. Mais donc, ces trucs-là ne sont pas nécessairement utiles. Donc ici, ça, c'est vraiment l'apprentissage du modèle. Quels critères tu utilises pour choisir tes super paramètres? Donc ça, c'est une excellente question. Donc ici, mon critère, c'était de faire le modèle le plus simple possible. Donc, c'est peut-être vraiment pas les bons hyperparamètres que j'ai. Donc, comment choisir les hyperparamètres? Il y a plusieurs manières de faire. Tu pourrais essayer plusieurs architectures, puis voir laquelle performe le mieux. Puis là, donc, choisir tes hyperparamètres tout simplement comme ça. Sinon, tu peux te baser sur les articles scientifiques que les pros ont écrits. Donc, par exemple, ici, relu. C'est une fonction d'activation qui apparemment est vraiment plus performante, elle est vraiment plus facile à calculer que, par exemple, sigmoïde. Puis, apparemment, que ça donne des bons résultats. Donc, ça, c'est un hyperparamètre que j'ai choisi comme ça en me basant, par exemple, je sais pas, j'aurais pu me baser sur un article scientifique qui m'a dit, essaye de mettre des fonctions d'activation relues, ça va être super efficace. Sinon, c'est ça. Moi, je pense qu'une bonne façon, c'est juste de tester plusieurs architectures puis voir est-ce que mes hyperparamètres fonctionnent ou pas. Mais sinon, il y a généralement des rules of thumbs que les chercheurs ont juste déterminé selon leur propre recherche. Donc, c'est basé là-dessus, ça peut être bien aussi. Ouais, William, ça c'est bon. Grid search algorithms. Donc, dans le fond, grid search, je ne suis pas un expert là-dessus, mais je pense que ça revient à essayer plusieurs modèles, puis ensuite voir lequel est le meilleur, puis ensuite continuer à itérer là-dessus, reprendre le meilleur peut-être, puis faire des petits changements, puis voir si ça améliore encore plus. Donc, le choix des super paramètres, c'est vraiment toujours le plus grand défi, selon moi. Mais c'est une très bonne question, ça. All right. Donc, si on vient ici, dans le code, model.fit, donc ça, c'est vraiment où est-ce que je vais entraîner mon modèle. Donc, ici, j'ai 10 epochs,
sur un batch size de 8. J'ai mes entraînements, mes ensembles d'entraînement ici. Donc, X, généralement, ça fait référence aux features. Y, ça fait référence aux labels, donc ce qu'on essaie de prédire. Puis ici, même chose pour mon ensemble de validation. Puis ici, donc, callbacks pour TensorBoard. Donc, à la fin, vous allez voir des belles visualisations avec TensorBoard. Donc, en fait, callback, c'est juste que à chaque époque, il va caller cette fonction-là. Puis, donc, cette fonction-là, ben, c'est une affaire de TensorBoard. Donc, juste ça, c'est les lignes que j'ai copié-collées de ça. C'est juste pour avoir la visualisation. Donc, faites-vous un peu trop avec ça. Donc, ici, on voit que le modèle est en train de se faire entraîner. Donc, c'est cool avec TensorFlow parce que tout est déjà fait pour nous. Juste en utilisant model.fit, il nous print ces belles affaires-là, puis on peut se tourner les pouces pendant que notre modèle est en train d'apprendre. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est l'accuracy, qui est une métrique qui permet d'évaluer la performance de notre modèle. Et on voit que c'est pas mal relié au coût. Donc le coût, je vous rappelle, le loss qu'on voit ici, c'est vraiment comme cette fonction-là où est-ce qu'on essaie de... C'est les erreurs qui sont faites par le modèle. Donc, si le loss est grand, c'est pas bon. Ça veut dire que notre modèle il fait plein d'erreurs. Si notre loss est petit, ça veut dire que c'est bien. Donc, après 10 époques, on peut maintenant évaluer notre modèle. Puis, ça nous donne une accuracy de 61%. Puis, pour vous donner une idée de à quel point c'est bon, une accuracy de 61% sur ce dataset-là, on peut regarder la proportion de shots manqués. Donc, Kobe Bryant, il manque 55% de ses shots, puis on réussit 44%. Donc, ça veut dire que si tu voudrais un modèle vraiment, vraiment basic, tu pourrais faire un if-else, ou même pas des if-else, tu peux juste dire, il va manquer son shot. Parce que c'est la classe majoritaire. Donc, si tu dis tout le temps qu'il manque son shot, tu vas avoir une accuracy de 55%. Tandis que nous, grâce à notre modèle, bien, il ne dit pas juste qu'il manque tout le temps ses shots. Des fois, il dit que il va réussir son shot. Là. Puis c'est vrai. Ça n'arrive pas tant souvent, 61%. On voit que c'est pas tant bon que ça. Puis donc, ça revient un peu à la question qu'on avait eue plus tôt. Peut-être que les choix des hyperparamètres, peut-être que j'aurais pu faire une architecture différente. Peut-être que j'aurais pu aussi prendre plus de données. Peut-être que la façon que j'ai modifié mes données pour les donner au neural network, peut-être que j'ai perdu de l'information ou que j'en ai donné des mauvaises. Donc, tous ces facteurs-là, ça peut jouer sur la performance du modèle. Puis même aussi les données en tant que telles, parce que Kobe Bryant, on s'entend, il est bon, mais il y a d'autres facteurs que juste sa position puis son type de shot. S'il y a un adversaire devant lui qui fait juste lui taper le ballon pendant qu'il essaie de lancer, ben ça, on n'a pas cette information-là dans notre dataset. Donc, peut-être que c'est juste que nos données n'ont pas assez d'informations à l'intérieur pour qu'on puisse avoir un modèle qui est performant. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Puis finalement, ici, en bonus, TensorBoard. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut voir à chaque époque, donc à chaque fois qu'on passe à travers une itération d'entraînement au complet, on a les performances. Donc, par exemple, ici, on voit que l'accuracy sur le train il augmente. Mais par contre, ça ne semble pas nécessairement vraiment augmenter sur notre ensemble de validation. J'ai peut-être un peu trop zoomé. OK. Ah, c'est ça. OK. Puis donc, ici, on voit aussi la perte. Puis ça, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Donc, je vais vous parler un petit peu d'overfitting. Donc, c'est quoi l'overfitting? C'est quand que tu donnes tellement d'epochs à ton neuronet, ou genre, tu fais ton neuronet apprendre beaucoup trop
sur tes données spécifiques. Puis donc, peut-être que ton modèle, il va être vraiment bon sur tes données à toi, mais que sur des nouvelles données, il ne va pas être si bon que ça. Puis ça, il y aurait un bon exemple de ça, ce serait que, mais, par exemple, que tu apprends à un enfant sa table de multiplication. Donc là, tu lui montres ça, la table de multiplication, puis il fait juste l'apprendre par cœur. Il l'apprend complètement par cœur, puis il fait juste la regarder tellement de fois, la table de multiplication, qu'après ça, tu lui demandes, maintenant calcule-moi 3 fois 33. Puis mettons que ça arrête à 12, sa table de multiplication, il n'aura jamais vu ça 3 fois 33. Fait que là, c'est, la question, c'est est-ce qu'il est smart, puis il va essayer de donner la bonne réponse, ou il va aussi, il va juste donner genre 9, parce qu'il a vu que 3 fois 3 égale 9. Donc là, il va être comme tellement overfit à juste qu'est-ce qu'il a vu, qu'il aura comme finalement pas vraiment compris comment faire une multiplication. Il va juste redonner une réponse qu'il pense qui est bonne parce qu'il l'a déjà vu avant. Donc, c'est ça le principe de overfitting, en gros, c'est que il est trop collé aux données sur lesquelles il a appris. Puis une bonne façon de savoir si ton modèle est overfit, c'est de regarder le loss après chaque époque. Donc ici, on voit que, puis sur l'ensemble de validation, parce que sur l'ensemble d'entraînement, c'est sûr que ça va toujours diminuer. Donc sur l'ensemble de validation, si on regarde le loss ici, donc au début, ça descend, OK, ça descend, tout est bon. Rendu à l'époque 8, là, oh, tout d'un coup, le loss, il commence à réaugmenter. Fait que ça veut dire qu'il y a plus fait d'erreurs qu'avant, même s'il y a encore plus été entraîné. Et donc ça permet de savoir, c'est pour ça qu'on a un ensemble de validation, c'est pour essayer de voir si notre ensemble, si notre modèle, il a bien appris ce qu'il doit apprendre ou s'il est juste en train de se coller sur les données sur lesquelles il a appris. Donc, c'était ça pour le loss ici. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Ben, on a créé un modèle avec TensorFlow, un neural network, puis ça nous a donné une accuracy qui est correcte. C'est mieux que juste tout prédire que Kobe Bryant qui passe ses shots. Et donc, il y aurait beaucoup, beaucoup d'améliorations qu'on pourrait faire sur ce modèle dans le code. Mais au moins, ça vous donne une base de code pour commencer si jamais ça vous tente d'essayer de faire un modèle pour prédire quelque chose sur vos propres données. Ben, vous pouvez vous inspirer de ça. C'est quoi les principales applications des neural networks dans l'industrie financière? Ce serait quoi les main applications des neural networks? Okay. Donc, les principales applications... il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications des neural networks. Surtout, je dirais, dans l'imagerie, puis aussi dans le traitement du texte. Donc, on peut penser, par exemple, dans l'imagerie, on peut penser à Google, qui, mettons, tu sais, l'application Google, que genre, tu checkes avec la caméra, puis là, ça met des boîtes alentour de plein d'objets, puis ça te dit, cet objet-là, c'est un crayon, ça, c'est un verre, nanana. Donc, beaucoup, beaucoup d'applications avec les images. Sinon, plus particulièrement dans l'industrie financière, je pense que le traitement du texte, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, tu pourrais avoir un neural network qui prend en entrée du texte des sites web de nouvelles, par exemple, des nouvelles financières. Puis à partir du texte, il essaie de prédire, ah, OK, est-ce que ça pourrait faire monter le prix de telle action ou le prix de telle autre action, ou quel genre de conséquences ça pourrait avoir sur le marché en général, ce type de nouvelles. Donc, par exemple, quand le COVID est sorti, peut-être qu'il y avait le mot virus partout, pandémie mondiale, nanana. Donc, peut-être qu'il y aurait un neural network là-dessus qui aurait pu, directement quand la nouvelle est sortie, il aurait pu dire, oh, ça va faire crasher le marché parce que ça va faire capoter tout le monde. Donc, ça pourrait être une application comme ça. Sinon, j'imagine aussi que ce serait plus des régressions. Peut-être que en entrée, tu pourrais avoir le prix, le volume ou toutes sortes de features comme ça
whatever action tu veux ou compagnie. Puis ça pourrait faire des. Ça pourrait automatiquement essayer de prédire quelque chose que tu peux prédire. Là. Par exemple, si le stock va dépasser tel montant ou évaluer quel montant il va être environ. Donc, ouais, je suis pas tant un expert dans, par exemple, les algorithmes de qui utiliseraient les huge hedge funds pour faire de l'argent, mais. FinTech, ouais. Ouais, merci William. OK. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Donc, finalement, j'ai presque fini. Je vais vous donner les ressources supplémentaires. Donc, en fait, je pourrais vous... la période de questions s'en vient. Je vais vous copy-paste ces liens-là dans le chat. Puis je pense qu'on pourra aussi le mettre dans la description. Je vais demander à tout le monde si c'est correct. Mais pour l'instant, je vais juste bénéficier directement. Donc, le premier ici que j'ai linké, c'est un code de Andrew NG sur Machine Learning. Donc, c'était William, il connaît ce cours-là. Donc, c'est vraiment un cours en ligne sur le machine learning, mais c'est très, très bien fait. Il y a même des TP, genre des petits travaux que vous pouvez faire si vous faites vraiment le cours sérieusement. Puis donc, ça peut vraiment vous donner une très, très bonne base sur le machine learning en général. Sinon, si vous voulez avoir des vidéos vraiment bonnes sur les neural networks, puis vraiment comprendre bien comment ça fonctionne, je vous recommande fortement les vidéos de 3 Blue, 1 Brown. Donc, ces visualisations sont vraiment excellentes. Puis, ça peut vraiment vous permettre de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, peut-être que vous allez beaucoup mieux comprendre quand que moi, je l'expliquais. Puis, finalement, donc, je viens de Polytechnique. Donc, je vais vous donner des cours que vous pourriez prendre à Polytechnique si vous venez de Polytechnique. Donc, c'est cette liste de cours-là. Ceci, c'est donné par... Chris Paul, son premier fois. Ah oui, oui, je vais vous donner le code ici. Donc, voilà. Je peux pas expliquer ici. Ouais. Donc, voici le lien vers le collab. Donc, est-ce que quelqu'un peut juste vérifier que ça marche? Parce que je l'ai share, mais je suis pas sûr. Si vous pouvez vraiment le voir. Donc. En tout cas. Donc, pour revenir au cours, donc, ceci, c'est un cours donné par Chris Paul, c'est ça? Puis Chris Paul, c'est comme un. Ouais, private chat. Okay, je l'ai mis dans le private chat. Chris Paul, c'est l'ami à Joshua Bengio, qui est comme le god des neural networks. Donc, il fait de la recherche. Donc, ça, c'est un cours donné par Chris Paul, vraiment intéressant. Ça, c'est un cours plus introduction à l'intelligence artificielle en général. Donc, c'est un bon cours aussi. C'est un peu plus facile, mais en tout cas, ça reste un bon cours. Artificial Intelligence. OK. Ceci, c'est Fouille de l'année. Traitement automatique de la langue naturelle. Ça, c'est plus les maths. Donc, on vous donne aussi des techniques de machine learning vraiment plus axées sur les mathématiques ici. Donc, ça reste un cours vraiment, vraiment pertinent. Ça, si vous avez la chance de prendre ce cours, je vous recommande fortement. Donc, voilà. Voilà pour le cours. J'arrive à avoir les mails. Mais j'ai mis les liens en chat. Je pense que si on rewatch le streaming qui va être version vidéo, ça devrait être correct. Mais donc, j'ai pasté les liens dans le chat. Peut-être que c'est bien. Ouais, parce que au pire, on pourra mettre les liens dans la description. Donc, c'était ça.
Donc, j'ai pas mal terminé l'atelier. Maintenant, c'est vous. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser dans le chat directement. Est-ce que tu as investi dans GME? Bien sûr. J'ai investi, en fait, au début, le stock il était en train de varier entre 30, 40, 45 dollars US. Puis là, je trouvais que les news étaient juste vraiment trop spicy sur le subreddit. Donc, j'ai décidé, ah, pourquoi pas, je vais YOLO un petit peu. Fait que j'en ai acheté genre pour moins de 500 dollars quand que c'était à 36. Puis là, c'est vendu à pas mal plus que 36. Fait que ouais. C'était une grosse semaine pour GameStop. Ah, je vais aussi mettre le lien vers la présentation directement. Yes, Rockets. Ah, oui, non. Change. Viewer. Yes. Parlons un peu de Support Vector Machine. Ok, donc le Support Vector Machine, c'est un autre, c'est un algorithme que je dirais qui rentre dans le machine learning. Donc, Support Vector Machine, c'est que c'est un petit peu comme. C'est un petit peu comme si tu avais un seul neurone, mettons comme ça. Ça, c'est l'exemple de base. OK. Sauf que c'est pas exactement ça. En fait, c'est que tu essaies de trouver une séparation linéaire qui te permet de séparer tes données. OK. Donc, ça, c'est vraiment le concept de base de Support Vector Machine. Donc, n'importe quelle ligne ici que tu pourrais mettre entre les deux, ça pourrait être un support vector machine. Puis en fait, ce que tu essaies de faire, c'est que tu essaies d'optimiser la séparation, donc avoir que en moyenne les points les plus proches, comme, tu sais, genre perpendiculairement, là, comme tu essaierais d'avoir un vecteur qui sépare vraiment très bien tes deux ensembles de données. Si on avait, par exemple, des données plus comme ça, on voit qu'on ne peut pas les séparer linéairement. Par contre, ce qu'on peut faire avec un Support Vector Machine, c'est ajouter une fonction kernel, donc une fonction noyau. C'est quoi le principe de ça? Bien, c'est qu'à la place de juste avoir deux dimensions ici qui représentent nos données, on pourrait rajouter une fonction par-dessus qui va nous permettre de séparer les données linéairement. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple sur Paint. Ce ne sera peut-être pas le plus beau dessin du monde, mais je vais essayer. Okay, donc, par exemple, ici, on a nos données. Puis là, avec la fonction noyau qu'on va rajouter, ça va être en 3D. Puis donc, la fonction qu'on aimerait avoir, la fonction kernel, ce serait, je ne sais pas le nom de couleur, ce serait genre quelque chose comme ça. Puis là, je vais essayer de comme
monte et c'est lit. Ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Whatever. Ok, donc, mettons ici que là, ici, ça deviendrait plus petit comme ça. Comme ça, nos points, c'est pas très beau, là, mais l'idée, c'est qu'en rajoutant une fonction kernel, la bonne fonction kernel, ça nous permettrait d'avoir nos points en bleu ici sur le top de la montagne. Donc, si j'essaie de dessiner une montagne en 3D, c'est vraiment laid. Mais c'est comme, tu sais, c'est comme on va rajouter un layout, un terrain à juste nos données en 2D comme ça. Puis donc, ce que ça va faire, c'est que les données en orange vont être plus bas, ici, sur le contour de la montagne. Puis, les données en bleu vont être sur le top. Comme ça, une fois qu'on a ça, bien, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement avoir un vecteur qui va être représenté par un plan. Puis, il va couper notre montagne en deux, ici. Puis, de cette façon-là, on va être capable de séparer linéairement nos points, même si juste en 2D, on n'est pas capable. Donc, c'est un peu ça le principe des Super Vector Machine, c'est qu'en rajoutant une fonction kernel, là, tout d'un coup, on a une séparation linéaire qui est possible pour classifier nos points en deux ou en plusieurs classes possibles. Donc, c'était ça pour les support vector machines. Je suis pas tant un expert en SVM, mais un petit mot sur les autres fonctions. Ouais, c'est vrai. C'est quand même vraiment pertinent ça parce que ici, donc, tous ces algorithmes-là, c'est des algorithmes qui restent vraiment pertinents. Puis, l'affaire, c'est que dépendamment de vos données, si vos données sont facilement... si vous pouvez obtenir de très bonnes performances sur vos prédictions, juste avec des petits algos comme ça qui sont vraiment plus simples, mais ça vaut la peine de juste prendre l'algo simple parce qu'il va être vraiment plus facile à compute. Puis ça va peut-être prendre moins de place dans les temps de calcul sur vos machines. Donc ici, j'essaie de vous présenter plus l'aspect deep learning, mais en fait, si vous voulez être vraiment un bon data scientist puis pouvoir choisir les bons algorithmes, c'est super important. Donc, si vous essayez juste une régression linéaire puis que ça marche parfaitement, ou juste une régression logistique puis vous êtes capable de super bien classifier les classes que vous aimeriez avoir, ben allez-y pour la régression logistique parce que ça va être tellement plus simple à calculer. Puis des fois même, ça peut donner des meilleures performances parce que si le modèle il est trop profond, bien là, le gradient a de la misère à se propager à travers toute l'architecture du neural network. Donc, peut-être que des fois, des modèles très simples, c'est meilleur. Donc, ça vaut la peine aussi de lire là-dessus si vous ne savez pas c'est quoi. Il y a plein de vidéos YouTube sur des cours aussi de machine learning. Je pense que Andrew Ng en parle un petit peu. Naive Bayes aussi, c'est quelque chose qui peut super bien marcher et qui est très, 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 très simple à appliquer. Allez-y pour les algorithmes simples si vous pouvez. Mais donc, je vous ai présenté ça parce que c'est l'industrie est hyped pour le deep learning, mais en fait, si vous pouvez utiliser des algorithmes simples, allez-y pour le simple. Donc, ouais, est-ce que ça pourrait être la dernière note de l'atelier? Donc, c'est ça. Donc, on pourrait s'arrêter ici, je pense. À moins qu'il y ait d'autres questions. Oui, merci beaucoup d'avoir assisté. Ce fut un plaisir. Merci.